Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heroes of Might and Magic 2 sur le troisième scénario. Et on se retrouve donc pour la suite de notre partie où on en était exactement resté, c'est-à-dire en plein milieu du scénario où on devait récupérer un château et aller conquérir le reste. C'est d'ailleurs, je viens d'apercevoir qu'il y a du jaune par ici, donc on va pas tarder d'avoir un IA. On se dit donc que on va continuer. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, c'est ça. Retourner voir le château. Non, je vais pas faire la tourelle. Je vais économiser un petit peu des sous. Et on va mettre fin au tour. Voilà, c'est ça. La population des golems de fer. Ah, ça c'est cool. Alors, je sais pas si ça marche du coup, parce que comme c'est des golems d'acier normalement. Je pense que oui, parce que je crois que normalement il y en a que 6 recrutables, donc ça a dû marcher. Bon, on va commencer à en recruter hein, du coup. Voilà, on récupère des galopins. Le fort, ça permet d'améliorer notre défense. Voilà, c'est ça. On prend le bâtiment qui est là. On prend de l'or parce qu'on en a bien besoin. Si jamais eux ouais non, malheureusement ils fuient pas, tant pis, comme d'habitude hein, de toute façon ça va le faire sans trop de problèmes. Beaucoup d'expérience, mais c'est toujours ça de prix. La tour de guet, non, peut-être pas. Les spadassins, oui, je pense qu'on va aller les faire. On peut pas les recruter. Non, pareil, ils vont être un petit peu chiant, mais bon. On garde la même technique. Avec la chance, c'est encore mieux. Quand même chiant hein, les spadassins. Réduire leur défense. Et bon, on va faire ça. Ouf. Ouais, c'est un peu plus costaud quand même là. Alors, rayon perturbateur, oui. Ça va faire mal ça. Allez, bisous. Les relous. Mais bon, c'était déjà un peu plus conséquent aussi. Une sorte de bénédiction sera réduit de moitié. Ok. De chance, de l'expérience, du bois. Ah, le fort sur la colline, ça c'est pas mal. C'est pas mal ça. Alors après, bon, on a que des mages. Et en fait, ça permet d'améliorer directement sans retourner au château les unités que vous avez sur vous. Sans avoir besoin du bâtiment, etc. Donc c'est vraiment sympa. Bon, là par contre, on n'a pas énormément de troupes qui permettent de vraiment le faire, mais. Ouais, on affronte parce que, comme je disais, on a besoin d'expérience. Voilà.
maintenant. Il est un peu plus faible, hein, cela dit. Tranquillement. Allez, salut. C'est quand même bien. On va prendre orientation et on va aller. Ah oui, non, ça permet juste. Ah oui, c'est vrai, ça permet d'améliorer les ogres, les orques et les nains uniquement. Oh, je me suis. Oula, je me suis trompé. Autant pour moi. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, faudrait que là on finisse par revenir un petit peu au château quand même pour refaire une armée un peu plus conséquente. Hop. Ok, eux on va les renvoyer parce qu'on s'en fout. Puis eux on va les renvoyer aussi en fait. Oui, on prend les sangliers qui veulent nous rallier, 49 sangliers carrément. Ouais, qui permet de convertir les golems, mais bon, c'est déjà le cas. On va prendre de l'expérience quand même. Sagesse principe. Ouais, deux niveaux. Et logistique principe, c'est pas mal aussi. On va aller faire les pillards. Oui, ils se dispersent, on va les attaquer quand même. Et voilà. Golem par-ci, ouais, bah oui. Ah bah oui, parce que comme c'était la semaine du golem, ça fait apparaître des golems partout. C'est vrai qu'il y a deux effets qui se coulent. On va aller recruter. Hop. Et Rock, c'était fait. C'est fait. Eux et eux. Oh oh, j'aime pas quand il vient vers moi lui. Serait-il puissant. Ouh. Ah ok, ouais, ils ont pas perdu leur temps en fait. Ah la vache. Bataillot. Ouh là 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 là. Est-ce qu'on aurait moyen de les affaiblir de ce côté-là par contre? De les prendre un peu en traître. En même temps, le château céleste, il faut vraiment que je le fasse, mais ça coûte cher quoi. Ouf. Ouais, il va nous poursuivre, hein, ça c'est sûr. Hein. Comme ça, je m'en fous. Je sais pas ce qu'il a en défense par contre. Il va pas nous lâcher, hein. Je pense pas. Ok. J'aurais peut-être dû faire un sort. Ça va quand même être très très chaud.
On va les sacrifier pour pas qu'ils puissent nous attaquer à distance déjà. Ok, ça servait à rien. Je suis pas sûr de gagner. C'est chaud, mais je pense qu'on va perdre. Il faut que je fasse une... C'est quoi, bouclier? Ça va être très 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 tendu. Hein. Je peux gagner grâce à eux. Ah, ça va le faire. Oh, le combat de l'enfer, mais ça va le faire. Heureusement qu'on a les sangliers. Ouais, c'était tendu. Sauf que malheureusement, c'est pas ce château-là que je pensais qu'il y a les titans. Celui-là, il est presque aussi pourri que le mien. En fait, il est aussi pourri que le mien. Merde. Chier. Je suis deg. Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud patate là parce que. Oups, mauvais clic. S'il arrive, et à mon avis il arrive, je suis mal. C'est con. C'est pas mal là, mais là, enfin ça, je suis dans la merde quoi. Il va venir reprendre son château, hein, c'est évident. Le problème, c'est que là, j'avance vers l'inconnu. Et bah, soit je suis aveugle, mais j'ai pas vu de comme par hasard, j'ai pas vu de mine qui pour ce qui m'intéresse, quoi. Il y en a des mines, hein, mais des mines de soufre, tu peux être gratté, hein. Soufre ou pierre précieuse, je sais plus, c'est pierre précieuse, pardon. On est d'accord qu'on n'en gagne pas, hein. Non, on n'en gagne pas. Le problème, c'est qu'avant d'arriver à 20, ouais. Après, il me faudra les sous derrière, hein, donc bon, on n'est pas plus avancé en fait. Hein. Bon, c'est dommage, on a fait tout un combat pour reperdre le château qu'on avait gagné. Et...
passe d'ici? En plus, je suis dans la merde parce que... Je suis dans la merde parce qu'il y a des créatures partout et je suis pas très 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 bien fourni pour les affronter quoi. Bon là ça commence un peu à causer encore mais la tour d'ivoire il faut la bibliothèque putain en plus. Oh là là, ouais ça c'est qu'il faut la... Ouais c'est la galère, franchement c'est la galère. Bah, j'ai besoin de recruter quand même, quoi. Enfin, faut que je me fasse une armée pour me défendre, hein. Mine de rien. J'essaie de pas trop recruter, mais bon. Oh putain. Laissez-moi fuir, je ne sais où, mais laissez-moi fuir. Y'en a après moi. On va dire qu'on découvre du pays, hein. Au pire on fuira. Hein. Oh putain, il m'en veut. Je pense qu'il va me rattraper là. Ouais. Pff, oh putain! Au revoir! Ouais, ouais. Oh putain! Oh putain. Ok. Voilà, maintenant faut économiser 12 500, il faut. Bon bah faut espérer qu'il soit pas trop agressif et puis ça ira. Hein. Hein, au moral, plein de chance. Voilà. Et lui maintenant, bah il va faire dodo hein, pour le moment. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Rien. Parce que j'avais pas regardé ce que je pouvais recruter encore. Si je peux recruter des rocs. Mais ouais, mais faut que j'arrête de recruter, j'ai dit, punaise. Il aurait pas oublié de reprendre la mine par hasard. Ah merde, il l'a pas oublié, mais il va aller le faire quoi. Zut. 43 11. 11 pour 2900, non mais. Non. Ah oui, vous m'attaquez, je me doute. Mais bon, il n'y a pas bien le choix. Hein. Oh putain, ils vont me faire chier là. Sur qui ils vont faire? Il joue très vite en plus cela. Bien galère. Ah bah tiens. Décimer mes galopins. Voilà. C'est l'enfer ces unités là. Il a repris ma mine ou pas? Il a pas repris ma mine. Oh le con. Bien joué l'IA. Non toi toi arrête de... C'est dommage qu'on puisse pas le mettre en... En silence on va dire. Neuf golems pour... Oh, non. C'est le problème de la diplomatie. Je sais plus si quand on monte le niveau le coût est moins cher. Je pense que oui. Ouais, je le fasse hein, parce que c'est pas possible. Hein.
Voilà, on fait le mur défensif. Allez, bisous. On aurait pu y aller là, mais bon. Voilà, pas de risque. On a des missions limitées pour toutes les troupes qui tirent. Bon, que rien, c'est pas fantastique non plus. Allez, on continue d'économiser. On devrait pouvoir le faire à ce tour-là, non? 1500. Ah oui, bon, attendez, s'il y a que ça, on va gagner un tour. Non, c'est plutôt ça. Ça. Voilà. Oui! Enfin, ça va coûter des pierres précieuses à chaque fois, hein, pour en recruter. Et 2000 par géant, quoi. Surtout les améliorer en titan, parce que... En géant, en fait, ils ne font que du corps à corps. Et en... quand on les améliore en titan, alors c'est l'unité la plus puissante, c'est la deuxième unité la plus puissante du jeu, quasiment au coude à coude avec les dragons noirs. Et bah, quand on les améliore et qu'ils deviennent des titans, ils tirent à distance. Voilà, c'est juste pas rien, quoi. Par contre, ouais, bah, ça coûte la même chose, quoi. c'est affreux. Le coût, il est énorme, quoi. Bon, enfin, déjà, on peut en faire. On va dire que c'est un bon début. Attendant d'avoir mieux. Voilà déjà. Je fasse gaffe quand même hein, parce qu'ils peuvent vite. On est à côté en fait. Hein. Pff, mais en vrai, j'ai même pas la force de lutter. Normalement, s'il veut, il m'anéantit quoi. Enfin, pour moi, hein, c'est. Je peux rien faire. Je vois même pas comment je peux m'en sortir. Ouais, j'en ai un. Hop, va te balader, parce que tu me sers plus à rien du tout. Ouais, j'aurais pu t'envoyer au sud pour aller explorer, tiens. Là, en vrai, s'il vient sur moi, je suis foutu, quoi. Il n'a pas l'air très agressif, heureusement, hein, mais je peux rien faire, quoi. Là, il va me falloir, je sais pas combien de tours pour rattraper le retard, quoi. On récupère des galopins, les pieds. Ouais, il y en a par là, hein, mais est-ce que je peux y aller avec lui? J'ai peur que ça l'attire. Hein. Ça l'a tiré. Ah putain, au secours. Au secours! Bon bah. Faut fuir quoi, mais bon, mon château il peut le prendre trop facile. Hein. Et là par contre, je comprends pas pourquoi. Parce que je pense que son héros il est départ comme ça parce qu'ils ont même pas dans le château de quoi recruter quoi. Ah, il doit peut-être avoir un autre château parce que quand j'avais pris les deux châteaux, ils m'ont pas dit. Et à aucun moment ils m'ont dit il reste que 7 jours au héros jaune pour récupérer un château sinon il meurt donc ouais donc en fait peut-être pas. Peut-être qu'il y a un troisième château ou un quatrième même, je ne sais pas. Ah.
coup là je me suis déconcentré, j'ai fait un peu n'importe quoi. Voilà, j'ai perdu deux rocs très connement quoi. Débile. Ah ouais, c'est... ça va pas trop dur. Je peux quand même en faire 3. Ah putain, c'est quand même la merde. Hein. J'ai pas l'impression que... Enfin, j'ai l'impression que je vais en chier quand même pour récupérer un château. Je pense qu'il va me le prendre. Hein. Ah oui. Putain, il a une armée conséquente. Hein. Oh le salaud. Je peux rien faire. Hein. Rien faire du tout, c'est injouable. On peut faire du chat et la souris, hein. Si j'arrive à choper un autre château avec lui, oh, ça m'intéresse, hein. Si un château je peux tout recruter dedans, je vais le prendre avec grand plaisir. Hein. Se précipiter trop, de toute façon. Alors. C'est fait. Ah oui, mais alors oui, totalement, mais alors plus que oui, mais alors à la place de quoi? Putain, c'est une des premières fois que je vais faire ça. J'ai pas le choix. 57 grands druides, ouais non, ouais, j'ai bien fait. Là, il a une mine lui de rubis là. Qu'est-ce qu'il fout son sort là? Ah ouais, je vais reprendre le château. Pour ce que ça vaut, mais je vais le reprendre quand même. Attendons de voir avec lui ce qu'on va pouvoir arriver à faire. Allez, dis-moi qu'il y a un château par là. Et je crois que je le vois. Ok, donc déjà ça, ça va me permettre de cumuler des diamants, des pierres précieuses, et puis on va descendre voir. J'espère que ce château est amélioré à fond. Si oui, c'est banco. Déjà, je sais pas ce qu'il y a dedans, inconnu. D'avoir une mauvaise surprise. Hein. Let's go! C'est bon, hein, ça va passer, mais chaud quand même. Hein.
Ah putain. Allez, bisous. Ça va, tu m'as avec tout le monde, toi, tranquille. Allez, bisous. Dites-moi que c'est un bon château. Bah bon, j'ai envie de dire que c'est déjà mieux que rien, même si ça s'est pas construit. On a de la magie, on a les tours d'ivoire améliorées. On va pouvoir évoluer eux déjà. C'est pas mal. On a bibliothèque, donc on va avoir pas mal de sorts là. Boule de feu, tout voir, invisible tout le pays. Ah ouais? Je connaissais pas ce sort. C'est-à-dire que je peux le lancer là comme ça, là, et ça y est, on voit tout. Ou alors c'est temporaire. Ok, c'est temporaire. Donc un château là, et un château là. Et on est d'accord que son héros, il est donné de base comme ça, parce qu'il a même pas de château pour faire ça. Le bâtard. Le gros bâtard. Alors, 20 gemmes, non, on les a pas. Ouais, il faut que je me concentre sur les gemmes, hein, tant pis. Hein. J'ai pas regardé, j'ai pas chopé par hasard un petit sort qui me permet de téléporter un château. Voir, ouais, bateau, ouais, super. Non. Non. Malheureusement, on va pas avoir ça. On va pouvoir choper des mines d'or. Bon bah va falloir se faire bah avec deux châteaux si on arrive à les tenir, mais bon, le problème c'est que c'est les sous quoi. Comme d'hab quoi. Ouais, le mec il va nous rusher, hein, c'est obligé. Hein. Sa grosse armée là. J'arrive pas à savoir lequel c'est celui-là là. Non, c'est l'autre en bas qui arrive là. Bah tiens. Pour le balader quoi. Le balader jusqu'à arriver à avoir l'armée la plus puissante possible quoi. Parce que lui putain il a un héros, laisse tomber. Hein. Pas du tout intuable hein. Après on va faire valoir ce qu'on peut. Hein. Et clairement, qu'est-ce que niveau recrutement là? Bon, les grands mages, il n'y en a plus. On a du golem d'acier. Ben, on va essayer de. Pas riche. Hein. Il remonte. Ok. Non, il traîne. Hein. Traîne, ça traîne. Il faut que j'aille prendre la mine d'or qui est là-bas. Ça sert à rien de perdre du temps. Je comprends pas ce qu'il fout avec ses sorts là. Fasse gaffe quand même parce qu'il se déplace vite.
Oups là, j'ai pas vu arriver. C'est con parce que j'aurais pu recruter en plus. Et là il va avoir un château avec ces trucs là, putain. J'ai mal joué. J'ai mal joué, j'aurais dû me méfier. S'il a un sort de résurrection, mais c'est la totale quoi. Oh, le combat d'oiseau quoi. Putain, ça va être tendu. Il accepte de me rejoindre. Ouais, c'est pas terrible. Hein. On pense qu'on a. Dommage, c'était quand même nombreux. Hein. Mais bon. Merde, je me suis trompé de... C'est pas que je voulais attaquer, c'était... Bon, c'est pas grave. Voilà. Prendre ça. Et sous... Oui. Mais oui, venez, oui. Carrément. J'avais espoir qu'ils viennent, bah voilà. Oh ouais, mais s'il faut que je refasse un château céleste ici... pas s'en sortir. Ah, c'est pas mal. Les côtés, hein. Enfin franchement c'est, ça va être très très chaud. Hein. Putain, faut que je passe par là. Non, je peux pas. Ah, fait chier, putain. Ah, ça va être chiant ça aussi à gérer. Allez, un petit coup de chance. Pas de morale. Souffle de feu, ouais, je dis pas non. Ça va au moins les affaiblir un peu quand même parce que... Je vais être plus rapide que rejoindre le château quand même. Assure. Donc je me serais pas défait de ce héros, je suis dans la merde quand même. Pardon. Je pige pas quoi, j'ai... Non, j'ai pas la logistique avec lui. Ah putain, mais oui, c'est ça le problème, j'ai pas la logistique.
Il est lent ce héros. Oh là là, qu'il est lent. Voilà, au moins ça c'est pris. Ça on prend. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. J'ai plus de marché, hein. Bah non, bien sûr que non. Sinon j'aurais vendu des ressources. Allez, vas-y, attaque-moi. On va essayer de l'affaiblir, hein. Et bon. 31 mages, on peut rien faire, quoi. 70 rock, quoi. Traîner au maximum pour les affaiblir. Ah, puis sa résurrection, c'est l'enfer. Oh! Grosse erreur, parce que lui il va me les tuer. Tant pis. Non, mais son héros. Pas lutter quoi, vraiment. Hein. Ouais, je suis un peu embêté là. Bon, lui c'est de la merde, c'est de la merde. Je pense qu'on peut le battre. Mais bon. On est lent. Ouais, et rebonjour tout le monde du coup. On se retrouve après cette toute petite interruption brutale sur le menu du jeu. Alors en fait j'ai revérifié, j'ai fait pas mal de tests. Je me fais dégommer à chaque fois. Et en fait je sais pourquoi. Parce que comme un dieu, j'avais pas fait gaffe à l'objectif de la campagne. Et donc du coup en fait c'est impossible de le battre. Le but n'est pas là. Le but en fait c'est de récupérer juste un petit village nécromancien, comme c'est expliqué, qui se trouve tout au sud-est de la carte. Donc du coup je vais reprendre là où j'en étais et on va aller se faire ça, histoire de pas conclure sur une défaite, hein. J'ai tout essayé en off, en fait c'est pas possible de le battre, hein. Le but c'est vraiment de jouer au chat et la souris. Alors c'est pas de bol parce que malheureusement faire du chat et la souris avec un héros qui n'a pas logistique, c'est très 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 compliqué. Donc là vous allez voir l'objectif, c'est juste que je récupère le château qui est à l'est. Normalement s'il me faut à peu près la paix. Je récupère donc le château qui est totalement à l'est, qui est là, parce qu'il me reste que 3 jours avant de mourir. Donc là on a carrément le niveau pour le reprendre, le château, il n'y a pas de problème. Il y a certes 8 géants, mais ça m'inquiète pas beaucoup. On va déjà faire une souffle de feu pour nettoyer ça. Et ensuite on tire. Et on attend. Terminé. Ensuite, on reste bien dans le château pour la fin de ce tour, et surtout on a débloqué les sorts de niveau 5 et notamment le fameux autre dimension qui leur permet de se téléporter et qui va changer tout le reste. Donc là normalement il va pas venir m'attaquer parce que je suis dans le château. Si j'étais parti du château il serait monté, hein. J'ai fait des tests. Voilà, fais-toi mumuse. Et donc, à nous maintenant de faire Mumuse aussi. Donc, autre dimension. Ça consomme quand même un peu de déplacement. Pas autant que si on se déplaçait à la main, mais ça consomme du déplacement.
J'ai refait un sort, un tout voir, et en fait j'ai aperçu qu'il y avait un village au sud-est. Là. Le fameux village nécromancien qui a récupéré. Là il y a un héros à la con que je vais même totalement ignorer. On va faire autre dimension ici. Hop, aucune défense, on rentre, on quitte. Et c'est la victoire, voilà. Ça aurait été dommage de recommencer tout un épisode juste pour ça, alors que on n'avait pas encore tout à fait perdu. Félicitations. Et vous avez affaibli nos ennemis les sorciers et délivré nos alliés les nécromanciens. Ceux-ci nous font part de leur éternelle gratitude et mettent à notre disposition l'un de leurs praticiens les plus redoutables. Je dois sans plus attendre vous envoyer affronter les barons dans la vallée de Lorendel. Deux d'entre eux ont publiquement déclaré leur soutien à mon frère rebelle. Je ne puis tolérer un tel acte. Eh bien. Je vous demande de mettre sur pied une armée efficace depuis les châteaux de deux de mes plus fidèles serviteurs. Et ne me décevez pas. Jamais, jamais, seigneur. Général, je suis Roland, votre roi légitime. J'ai une proposition à vous faire. Rejoignez-moi et acceptez de combattre dans mon camp. Vous et moi savons tous les deux que mon frère ne peut être un bon souverain. Votre conscience ne peut en aucun cas vous laisser servir une cause injuste. Quelle pourrait bien être votre récompense? L'argent? Je puis vous en donner, moi aussi. Mais je vous propose bien mieux. L'honneur, le devoir et la gloire. Épousez ma cause, je vous en conjure. Qu'en dites-vous? Et donc effectivement, on a le choix de continuer en scénario 5 sur la campagne d'Archibald ou de changer de camp. De passer magicien, sorcière, chevalier et de changer complètement de camp et de basculer alors après un point d'interrogation on rebascule sur la campagne du bien. Voilà, donc c'est quand même sympa hein. Franchement je trouve que c'était quand même plutôt bien construit hein, pour l'époque comme petite campagne. Mais bon là on va pas s'y amuser hein, clairement, on va pas faire ça. On va rester sur la campagne du mal. Moment décisif. Récompense, le héros frère Brax peut être recruté dans ce scénario. Ok. Vos ennemis sont alliés contre vous et commencent tout près. Alors soyez prêts à vous battre. Vous devez posséder les 4 châteaux de cette petite vallée pour gagner. Bon, c'est nécromancien, mage ou barbare. On va pas commencer. On va commencer mage hein, quand même. Ouais, on va commencer. Un de vos alliés a rejoint Roland. Voilà face à 3 châteaux sous le contrôle de l'ennemi. Bonne chance. Ok. Et c'est qui frère machin là? Ah, Braxon est comment? Ah ouais, il commence direct niveau 5. Ok, d'accord. Cool. Ça permet d'avoir un héros déjà bien boosté dès le début. Ok, bon, bah on va s'arrêter là pour cette fois, pour cet épisode. Je vous dis à très vite pour la suite. Merci de m'avoir suivi. Bye bye!